L'état-major change tout le temps. Nouveaux officiers, nouvelles règles. Et puis, il faut pas hésiter à arroser les bonnes personnes. À Dermir, quand c'était encore ouvert. La ville a bien changé depuis. Ah, je savais pas. T'as fait un paquet de boulots différents, toi. On peut dire ça, ouais. Ce qui me manque pas, c'est la conserverie de poissons. Les mains dans le sel toute la journée, les ongles en sang, l'odeur. Ça a dû... L'heure du jugement a sonné, Ducabel. Tu tiens le coup, j'espère. Ouais, c'est vrai. Comment savoir lequel est le vrai duc? Je sais pas où ils ont trouvé ce sosie, mais il lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. J'arrive jamais à les distinguer. Il y a des petites différences, quand même. Bon, même si t'arrives à repérer le duc Lucas, comment on va faire pour récupérer sa clé? Je m'en charge. Imaginez un peu ce qu'il y a dans cette chambre forte. On sera mi-chemin en pistole et plein aux as avant qu'il se soit remis de sa gueule de bois. C'est qui monte la garde devant les appartements du duc ce soir? Non, c'est pas moi et tant mieux. C'est jamais très marrant. Tu m'étonnes. Je sais pas qui est le pire, le duc ou sa doublure. Le premier peut se faire fouetter pour un oui ou pour un non. Le deuxième est à mourir d'ennui. Traverser à vomir tes tripes pour aller te geler les miches dans un port du Nord.
possède quelques soldats mécaniques de Jindosh. Mais nous vivons un véritable âge d'or. Pas de maladie, pas de guerre, pas de taxes, des relations, des idées et des machines révolutionnaires. Nous dégustons les mets les plus raffinés à la table du grand. La machine a détecté quelque chose. Qui a ouvert cette porte? C'est peut-être le vent. Hein? Certains jours, je me rends compte que... Quelqu'un a entendu un coup de tonnerre. Je ne peux pas oublier à quel point les gens s'alarment pour un rien. C'est ridicule. Laissez-moi, j'ai besoin de réfléchir. Pas de baisse-main? Vous n'esquissez même pas une révérence? Vous non plus, que je sache. Voilà qui est étonnant. Alors très bien, allez-y. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Écoutez, je pense que vous êtes la doublure du duc. Vous devez le détester, c'est évident. Je suis ici pour mettre un terme à son règne et j'ai une idée qui devrait vous plaire. C'est vrai, vous m'avez démasqué. Mais si vous n'êtes pas là pour assassiner le duc, que voulez-vous? Quelque chose me dit que vous ferez un bien meilleur duc que Lucas Abel. Si mon but était de le renverser sans effusion de sang, seriez-vous capable de convaincre le monde que vous êtes le véritable duc? Est-ce que ça va? C'est une idée audacieuse qui m'a déjà traversé l'esprit, je dois l'avouer. Si les gens sont persuadés que je suis Lucas Abel et que c'est lui qui sert de doublure, nous pourrions le faire enfermer pour démence. Nous pourrions convaincre tout le monde que le sosie a fini par perdre la tête et à se prendre pour le duc, le vrai. Voilà des années que je perfectionne sans cesse mon jeu d'acteur, mais il y a un problème. Il me faut son médaillon. Même si je suis convaincant, ce que je serai assurément, les officiers de sa grande garde exigeront de le voir en guise de preuve. Lucas ne s'en sépare jamais. D'accord. Ça ne devrait pas être difficile. Dès que j'en aurai terminé ici, je partirai pour Dunwall et vous ferai bientôt parvenir des instructions. J'attends la plus grande coopération de votre part. Nous pouvons encore sauver Cerkenos et effacer les ravages causés par le duc Abel. C'est une idée qui me plaît, mais je compte diriger Cerkenos comme je l'entends, et pour le bien de ses habitants. Je ne serai pas la marionnette obéissante de votre empire. Si vous acceptez cette condition, amenez le duc inconscient dans ses quartiers privés, et je m'occuperai du reste. Soyez pas déçus, ce n'est pas une question de mérite. Le premier cercle n'est qu'un ramassis d'hommes de paille à la solde du duc. Maudit les chbottes. Heureusement que je n'en fais pas partie. Oh, certes. Et n'oubliez pas une chose. Quand toutes ces querelles pour le trône auront cessé, le duc devra placer des hommes à la tête des fils dans un ordre créé par le gouverneur de Windhorn ou Freyport. Même les plus belles créatures ont la peau aussi livide qu'une larve rouge. C'est pas ça.
de toute cette paperasse. À quoi bon être le fils de mon père si je dois m'infliger une telle torture? Rien de grave. C'est peut-être rien du tout. Si Morlaix et Tivia nous attaquent, je laisserai mes généraux s'en charger. Vraiment un endroit qui m'a réservé des fortunes diverses. Mon pauvre frère y a perdu. Je parie qu'elle ouvre la chambre forte du duc. Delilah Copperspoon. Les dés sont jetés. C'est à moi maintenant. Je vais prendre le médaillon et appeler ma suite. Je garderai un œil sur vous. Bonne chance. Ne vous en faites pas. Cela fait des années que j'observe ce salopard. Capitaine, venez immédiatement dans mes quartiers. Il y a un problème. Vite, cachez-vous là. Capitaine, veuillez arrêter ce sinistre bouffon. Il semble avoir pris son rôle un peu trop à cœur. Ne me touchez pas! Cet imbécile heureux a perdu la raison. Emmenez-le, capitaine, et coupez-lui la langue sur le champ. Je ne le laisserai pas souiller mon nom. Oui, votre éminence, ce sera fait. Comment? C'est un scandale! Je vous ferai tous écorcher vifs et plonger dans un bain de sel. Toutes ces années passées à prendre ma place ont dû le pousser lentement vers la folie. Il représente un danger pour ma personne et pour Cerkonos. Non ! Arrêtez ! Je suis le duc de Cerkonos ! Vous ne pouvez pas faire ça !
Le docteur Hypatia à Dernir saura sûrement quoi faire. Je ne réalise pas encore vraiment. C'est incroyable. Quand j'ai rencontré mon premier cercle pour la première fois, j'ai vu des visages nerveux. Même les moins impressionnables avaient peur et se demandaient s'ils seraient du prochain banquet. Maintenant, Cerconos est sur la bonne voie. Mais cette histoire a débuté il y a bien des années. J'ai rencontré Delilah quand je n'étais encore qu'un enfant. Voyons un peu ce que le duc Abel cache ici. C'est sûrement la chambre forte du duc. Delilah Copperspoon. De test. Message de diagnostic supplémentaire en boucle. Ah.
La machine a détecté quelque chose. Ce message indique que la machine a détecté... Ashworth a fabriqué cet objet pour recueillir l'esprit de Delilah. Déclenchement d'une décharge. Mécanisme de membre détaché. La machine a perdu sa cible. J'indique que l'ennemi s'est échappé. La machine est incertaine. Cible perdue. J'indique que quelqu'un a échappé à la machine. Cible perdue. Un animal décoratif.
L'heure est venue, libère-moi de cette mort suspendue, de ce monde empoisonné. Emprisonne Delia à ma place. Je ne peux pas faire ça. Tu es tout ce qui compte pour moi. Laisse-moi m'en aller. J'en ai déjà trop vu. Tu as du sang sur les mains. Je l'ai fait pour toi. Pour garder ton trône. Perpétuer ta mémoire. Mon enfant, tu es devenu l'exact opposé de tout ce que je voulais défendre. Je t'aime, mais tu dois me laisser partir. C'est fait. Je vais pouvoir ramener l'arme de Delia. Si cette chose était vraiment vivante. Quel que soit le problème, je suis prête. C'est pas peur. Si l'ancien duc pouvait voir ça. Dépenses inutiles, gaspillage. Et des vins médiocres. De ce temps, on n'aurait jamais ça. Message de diagnostic supplémentaire en boucle. De la température du réservoir d'huile. À supprimer ce message après la dernière phase de test. La machine tourne à vitesse réduite. Plus qu'à attendre. Sinon,
ça y est. C'est la chute de Karnaca. À partir d'aujourd'hui, le duc va changer radicalement de politique. Retournons sur le Dreadful Whale et mettons le cap sur Dunwall. Oui, ça y est enfin. Je vais pouvoir remonter sur le trône et chercher un moyen de sauver mon père. On peut y aller ? Ramenez-moi au bateau. Très bien, comme vous voudrez.